Salut les amis, on est jeudi le 5 janvier 2023, j'espère que vous allez bien. Et le déménagement se poursuit, donc on déménage officiellement demain. Donc c'est la dernière, officiellement, c'est la dernière soirée, la dernière nuit qu'on passe dans l'appartement. C'est le gros désordre vraiment. Donc on est le 5 janvier, c'est officiel, demain on déménage, on a vraiment très hâte. J'ai surtout vraiment vraiment hâte d'être là-bas, puis juste prendre ça plus relax parce que les derniers jours ça a été juste comme rock'n'roll. Ça a été juste fou, juste à gauche à droite, on n'a pas arrêté. Puis regardez, il est 9h30, presque 10h, puis à peine Oliver est rentré se baigner parce qu'on finissait les boîtes puis les sacs tout ça aujourd'hui même. Après mon travail, je travaille aussi. Donc oui, c'était une grosse journée. Je suis pas mal fatiguée, je vous dirais. Ça se pourrait, je pense que ça se voit là. Je suis vraiment fatiguée, mais je suis contente, j'ai hâte à demain. J'ai hâte que ça soit fini. J'ai hâte que tout soit là-bas. Puis là-bas, ben, on va prendre notre temps. Donc ça y est les amis, le grand jour est arrivé. C'est demain. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Bref, c'est ça les amis. Donc c'est ça, je vais voir demain comment ça va aller, si je pourrais filmer ici et là des petites vidéos, des petits clips. Puis après ça c'est moi qui vais se baigner, il faut qu'ils se couchent, puis dès qu'ils sont endormis je vais me baigner, puis éventuellement je vais me coucher aussi. Je suis épuisée vraiment. Donc voilà les amis, je vous dis à demain, je vous dis bonsoir et bonne nuit et à demain. Donc on est le 6, c'est le déménagement qui va commencer sous peu. Et les boîtes, la chambre d'Oliver est toute vide. My god. Si, plein de choses encore qui traînent, mais le camion s'en vient, les amis. Mon mari est allé chercher le camion, donc on commence sous peu à tout loader ça. On a bien hâte. Est-ce que t'as hâte, Oli? Oui! Thank you.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans notre maison. C'est la première nuit officiellement qu'on va passer dans notre maison. Maintenant on est encore le 6 janvier, mais il est 11h10 la nuit. Donc il y a plein de boîtes, des sacs, des choses qui traînent. Les prochains jours, j'allais dire, mais non, les prochaines semaines vont être pas mal rock'n'roll, si je peux dire ça. Pour placer un minimum les choses. Là, Oliver n'est pas encore endormi. Il se repose. Au fond, ça, c'est notre chambre principale. Puis sa chambre est juste à côté, donc c'est vraiment le fun. Il est juste à côté. Il se repose dans son lit. Allô, mon coucou. Allô. Il se repose un petit peu avec son iPad. Et puis là, mon mari est allé laisser le camion. Oui, il est 11h10, oui, la nuit, je vous avais dit. Il est allé laisser le camion. Puis aussi, aller laisser son ami chez lui, reconduire. Puis aussi, reconduire ma mère chez elle. Donc là, après ça, il va revenir. J'ai aucune idée à quelle heure il va revenir. Mais c'est vraiment comme les gros désordres. Comme, je ne vais même pas vous montrer beaucoup, mais mettons ici la cuisine. C'est comme ma place préférée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme... Moi, oui, j'adore la cuisine, mais regardez. Il y a tellement de choses. Oh my god. Il y a des choses partout. Où est-ce que vous regardez là? On a enlevé la table pour passer le frigo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, notre frigo finalement qu'on a acheté. C'est celui-là. C'est vraiment excitant. C'est notre premier frigo à vie. C'est la première fois qu'on s'achète un nouveau réfrigérateur. Donc c'est très très excitant. Puis bref, il y en a des choses partout là. Vraiment, donc... Je ne veux pas vraiment vous montrer ça. C'est vraiment le désordre. C'est quoi? Le désordre. Parce qu'il y a plein de choses partout. Non, mais même ici, il y en a le désordre partout. Non, mais tu peux, vas-y. Tu peux montrer. Non, ta chambre est correcte parce que bon, j'ai enlevé des choses. Regardez, les lumières sont tamisées. Si tu veux, on y va en bas pour montrer le désordre. Non. Une autre journée, mon amour, parce qu'il y a déjà 11h. Mais ici, comme ça, c'est la chambre d'Oliver. Là, j'ai mis pour l'instant comme ça, mais ça se peut que ça change, bien sûr. Non, mais... C'est vrai. Oui, pour l'instant, comme ça. Mais il y en a des choses quand même, mais c'est pas super. Il y en a quand même de la place. Donc là, j'ai tamis un petit peu la lumière. C'est ce que j'aime dans la chambre. Oui, moi j'aime plus ça. Ouais, moi aussi, c'est plus relax. Repose-toi, mon coco, puis tu vas te brosser les dents bientôt, ok? Mets ton pyjama et tout. Parce que demain, on se lève tôt. Demain, mais plutôt bientôt, parce qu'on n'est pas encore endormi. On va se lever à 6h. Parce que première des choses, Oliver a une pratique d'hockey le matin très tôt. 6h. Oui, à 6h on va se lever. À 7h on s'en va parce qu'il faut déjeuner. À 7h on s'en va. Puis au fond, mon mari va me laisser dans l'ancien appartement. Puis eux, ils vont aller à la pratique de hockey. Donc pendant qu'ils sont à la pratique, je vais nettoyer l'appart. Donc c'est ça. Après ça, on va donner les clés au proprio. Puis après ça, Oliver, en après-midi, il y en a un anniversaire d'amis. Donc c'est une journée pas mal chargée, occupée. Merci mon coco. Pas mal occupée et chargée. Puis je suis déjà épuisée, donc... Pff, c'est fou. Alors voilà les amis, merci d'avoir été avec nous dans ce déménagement. Je vais voir si je pourrais filmer ici et là demain aussi pour inclure des petites vidéos de demain. Mais toutes les autres choses, ça va se faire au fur et à mesure. Je ne vais pas stresser avec ça. Puis c'est ça les amis. Donc merci d'avoir été avec nous dans ce déménagement, dans cette grosse nouvelle aventure, ce changement vraiment. Puis c'est grand pas, si je peux dire ça pour nous. Ça signifie vraiment beaucoup, donc
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être avec nous, de continuer d'être avec nous. C'est sûr que j'ai vraiment hâte que tout soit à sa place, que tout soit bien et tout, mais je vais pas me presser, je vais pas stresser vraiment cette fois-ci, je vais prendre mon temps vraiment. Donc c'est ce que je compte faire. Donc voilà les amis, là je suis fatiguée. Je vais aller me laver. Puis coucher aussi Oliver. Puis on va se coucher parce qu'on se lève très 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 tôt. C'est pas que c'est très tôt, mais c'est juste qu'on est tellement fatigué. C'était un gros jour. On n'a pas arrêté depuis ce matin. Puis c'est ben, le dernier jour, la dernière semaine, dernier mois même. Le dernier mois, je dirais, on n'a pas arrêté. Donc, ouais, c'est comme. Trop, on n'arrête pas. Donc bref, c'est ça pour demain, le planning qu'on va avoir, comment ça va aller. Puis je vais essayer de filmer ici et là. J'ai pas encore d'internet ici, donc c'est ça. Je vais mettre une vidéo en ligne, mais ça va être sûrement la semaine prochaine. Dès qu'on aura de l'internet, puis dès que j'aurai le temps puis l'énergie de préparer ma prochaine vidéo, parce que j'ai plusieurs vidéos déjà filmées. Mais il faut les éditer, c'est juste ça, puis les mettre en ligne. Maintenant, avec le déménagement, c'est sûr que, ouf, il y a tellement de choses à faire, on n'arrête pas, mais je vais trouver du temps, sûrement. Donc voilà les amis, merci pour tout vraiment, puis je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, puis on va se reparler sûrement demain. Et merci beaucoup pour tout. Bonne nuit, bye les amis. Nos amis vraiment nous ont vraiment beaucoup aidés. En fait, on n'avait pas de déménageur. On a juste pris le camion de déménagement. Puis nos amis nous ont vraiment beaucoup aidé. Comme c'est fou. Je pense que c'est la première fois qu'autant du monde nous aide. C'est vraiment très gentil. Si jamais vous regardez le vlog, je vous remercie vraiment. Puis je vous aime tous. Vous êtes beaucoup trop gentils. Est-ce que tu dis merci à nos amis pour nous avoir aidés pour merci. Le déménagement? Merci. Oui. Donc là, c'est on va faire quoi maintenant? Se coucher, fais dodo. Tu dis bonne nuit aux amis? Bonne nuit. Bonne nuit.